Bonjour, je vais bien, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur WWE SuperCard. Je vais vous montrer une nouvelle carte que j'ai reçue hier. Oui, j'ai reçu une nouvelle carte en piochant les drafts, juste en attendant l'event RPG solo. Je suis en train d'étaler mes cartes ultime, Elite. Voilà, pour que vous puissiez un peu plus fort. Donc bah j'ai aussi pêché des cartes très intéressantes dans ce que je vais vous montrer. Alors voilà, je lance, parfait. Ok. Ah bateau. Alors hop, mes cartes. Je vais montrer mes cartes que j'ai reçues hier. Alors, on a toujours notre TJ Perkins Ultimate Pro, Enzo Amore Ultimate Pro, Brock Lesnar WrestleMania 3, John Cena Elite Pro, Yuki Nakamura Elite Pro, Roman Reigns Elite Pro, Paige Elite Pro, avec une petite amélioration en robustesse. Puisque j'ai reçu une robustesse ultime hier, que j'ai mis directement à mon page avec ses capacités spéciales pour qu'il soit un peu plus forte. On va dire que maintenant il est à plus de 2088 en puissance et plus de 2321 en robustesse. AJ Styles en Elite Pro, Bodes en Elite Pro, Mark Henry en Elite Pro, Shizuke Nakamura en ultime, Randy Orton en ultime, Finn Balor ultime, Bray Wyatt ultime, Braun Strowman ultime et John Cena ultime. Ouais, que j'ai reçu hier. J'avais pas joué de draft. J'étais super content d'avoir, j'avais pas du tout. Mais ce sera un futur pour aujourd'hui avec les récompenses en team Battleground. Je ne sais pas, on verra. Ensuite, on a toujours E-Setter en ultime, Brian Kendrick en ultime, Carl Anderson en ultime, Sasha Banks en élite, Natalya en élite, Hulk Foreman en élite, Becky Lynch en endurci, Becky Lynch en Summer 5 que j'ai entraîné, et après, bon, ah, il y a aussi il y avait une carte. Attends. Une carte de manager que j'ai reçue aussi récemment. Il est là. Parfait. Paul Bearer en élite. Plus de 205 robustesse et plus de 205 en charisme sur deck. C'est une carte très intéressante pour mon deck. Voilà. Voilà. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est. On va y voir. Ah, dans 1 à 2 minutes, on va recevoir nos récompenses en team Battleground. Ok. Donc là, j'ai match victoire pour 12 défaites. Ça va, ça va. Ça va. Bon. Je sais pas si je vais avoir la carte ultime aujourd'hui, mais bon, ça peut se faire normalement. Normalement, ça peut se faire. Que je peux avoir la carte ultime aujourd'hui. On verra. Alors déjà une carte du team en team underground et une carte et peut-être une carte du team en RPG solo, mais je sais pas si je vais en avoir une en King of Zone. On va voir, on verra. Ouais, je suis toujours deuxième, hein. Bon, je jouais avec le deuxième. En passant, je suis qualifié pour les quarts de finale. Alors on va faire quoi aujourd'hui? Allez, je vais vous montrer les cartes qu'on peut avoir dans le RPG solo. Ah, RPG solo parce que c'est un peu à gloire en solo. Donc on peut avoir Kane, Epic, John Cena légendaire, Roman Reigns, Survivor, Triple H, WrestleMania, Randy Orton, SummerSlam, Brock Lesnar, Endurci, Finn Balor, Elite, Dean Ambrose ultime, Samoa Joe, WrestleMania 33, et enfin, Seth freaking Rollins.
En VSA33 avec le logo de WWE 2K18 pour ceux qui l'ont déjà et qui vont le faire pro, bien entendu. Voilà. Alors, on va faire quoi aujourd'hui? Je vais vous montrer mon deck en RD. Je suis toujours en Ultime Plus. Voilà. Ensuite, en RPG, je suis en Ultime. Toujours en Ultime. C'est pas mal. Je vais au moins avoir le sommet à 33. Le sommet Joe. Donc, pour pas sortir, on va faire des matchs classés. Allez, c'est parti. On essaiera de trouver une carte. Hop, c'est parti. Parce que, ouais, ils ont toujours ça se réinitialise. Si vous voyez bien, il est là. Attends, là, rien. Toujours 12 minutes et 10 secondes. Ça se réinitialise. Pour. Bah, en fait, vont nous mettre les mêmes. Les courants de crédit, en fait. Bonne dernière fois. Ok, alors, on joue contre Winswide, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il nous réserve? Alors, vitesse va mettre TJ Perkins et Parkestar. En équipe, oula. Ça va être chaud là. Hein. Ouh, je gagne. Ouh, je gagne de très peu. Puissance de vitesse va mettre Enzo Morley. Je gagne, parfait. Lorenzo. Voilà. Ah, une signe pour finir avec Sacha Banks qui l'emporte sur Emma Summerson Pro. Parfait. Une belle victoire 3-0 pour commencer. Hop. Voilà, c'est bon. Ok, alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme piège de draft? Ah, j'ai commencé le client, mais bon, j'ai arrêté. Qu'est-ce que vous voulez bien que je dorme? Ok, c'est Roasting. L'énergie. Soirée. Une échelle, ah oui. Je vous montrerai pas, tiens. En parlant d'échelle, je vais vous montrer mon avancement dans la compétence d'échelle que je vais devoir avoir une ultime en plus. Alors, bien sûr, en ultime en féminin, ce sera pas une pro, puisque ce sera une simple. Je suis à 10 819 matchs. Je dois en faire encore 681 matchs. Avant de passer, avant de d'avoir ma prochaine récompense des chaînes, qui n'est nul autre qu'une superstar féminine ultime. Et je pourrais être ma première superstar féminine ultime. C'est parti pour un nouveau combat. Bon, on va patienter un petit peu avant que l'event RPG Show commence. Je le ferai dans cette vidéo, ne vous inquiétez pas. J'achèterai forcément des doublons de points. Parce qu'il en faut. Alors, robustesse, on va mettre pour Kessner. Je gagne, parfait. Bim. Ensuite, on va mettre Robitaille Carnage, on va mettre Enzo Morley. Parfait, je gagne. On peut toujours pas aller sur la 33. Ping. Ok, Robitaille, on va mettre TJ Perkins. Et donc là, je perds. C'est Jimmy Uso. Non, Jimmy Uso Ultime. Ok, bon, c'est pas grave, hein. Il y a 30 points en plus. Ok, alors. Non, c'est pas ça. Randy Orton. Seth Rollins. Eric Roman. Et Jimmy Hart. Ouais, bon. Pas la meilleure pioche pour le moment. Et on continue.
Ah oui, petite information pour vous dire que le prochain, enfin, je sais pas si c'est au prochain Team Underground, cette prochaine, mais le prochain Team Underground, on pourra jouer avec des cartes fusion, des cartes Hall of Fame et des cartes nostalgie. Et parce que, c'est trop cool. Parce que toujours jouer avec une carte en. Une carte endurcie, des cartes endurcies, des cartes Elite, Ultime et Splatoon 3. Bon, ça faisait un peu trop, mais bon. Bah, fait que ça change un peu, voilà. Les cartes, on va se mettre carte Fusion. Les cartes. Comment dire? Ah, ouais. Les cartes les cartes oui les cartes fusion les cartes nostalgie les cartes Hall of Fame c'est très intéressant très très intéressant ben, très cool aussi oh, bien sûr son niveau sont bien sûr niveau on dit aussi à OSP 33 bien entendu oh quasiment okay. Ils seront des cartes spéciales en fait. Il y aura sortir une. Dommage que c'est. Là, ça va apporter une très bonne nouveauté au en Team Battleground. Parce que moi je n'ai même pas encore joué avec des cartes Nostalgie, Hall of Fame et Fusion. Pour vous dire. J'ai jamais joué à ces cartes-là. Là c'est la première fois que je joue mais bon c'est en TBG c'est pas en vrai enfin, je veux dire c'est pas dans on va pas les recevoir en fait dans notre équipe c'est le problème et bon et bien ils vont nous faire comme récompense les superstars ultime en Hall of Fame ou en nostalgie ou en carte de fusion on ne sait pas on verra mais bon ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait qu'ils nous fassent ça comme récompense en Team Battleground. Et bon, on verra. On verra. Mais si a été annoncé, a été annoncé. Voilà. Alors, vitesse, on va mettre. J. Perkins. Parfait, je gagne. Tac. Ah, j'ai bien amusé pendant le. RPG solo. Allez hop, F5. Jessica, on va mettre Enzo Morley. Et je gagne normalement. What? La chance. Elle a la chance, elle a la chance, ok. Ok, alors, tac. Avec Robin. Il y a le charisme et le capteur, ok. Alors, je sais combien qu'ils ont, je dois aller toujours dans le top 100, hein, comme d'habitude. Dans le top 100. Alors, dans le top 100. Ah, j'ai 95e, pas mal ça. Bon. Bah, va sur Yanné et elle commence. Premier, 10 000 crédits. Deuxième, 7 500 crédits. Troisième, 5 000 crédits. Quatrième au dixième, 2 500 crédits. 11e, 25e, 1 500 crédits. Et 26 au 50e, 1 000 crédits. Et malheureusement, je paye d'abord. Oh là 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 là. Quel dommage, quel dommage. Bon, moi, j'ai fait 200 crédits que je vais faire dépenser. On a payé soit pour avoir les doubleurs de pioche. Allez, on va attendre un petit peu. Ah non, je sais ce qu'on va faire. On va faire du Royal Rumble. On va sentir encore un peu. Allez, on va faire du Royal Rumble. On a encore 4 à faire. Ouais, bon. Ça va. Je suis pas envoyé dans ma 4 minutes. Mais bon. Je vais faire un tout de suite pour patienter un petit peu.
J'ai du re-chômage, j'ai envie d'avoir 10 numbers ultimes que j'ai pas. Aussi, moi, je vais sur 33. Et aussi, pas des 7 wins, mais bon, 7 wins, c'est hyper chaud là-bas. Mais bon, ça peut se faire hein, en 3 jours et 17 heures, ça peut se faire, mais bon. On va voir ce que ça va donner. Alors. On va mettre le petit en premier, on va mettre Patige Platins. C'est le plus fort pour le moment. Ah, LG Size. Ok. Je gagne, parfait. Bien joué, TJP. Ok, on va mettre bah, vitesse. Alors, vitesse. Ok, Dolph Ziggler, au revoir. Tac. Ensuite, ouais, on dit Mark Henry. Randy Orton, voilà. Ensuite, puissance, allez, Enzo Amore. Voilà. Ensuite, bah, pas de tour au champ, là, c'est ici pour une semaine. Là-bas, j'ai pas qu'une séminée. Ensuite, on va mettre Brock Lesnar, Must Mettre en 3. Voilà. Sont steak, on élimine le Karl Anderson. Ensuite, on va sacrifier. Bah, on va sacrifier Isletter Ultimate. Ok, élimine avec son Jimmy Uso Ultimate Pro. Bon, je vais essayer de mettre John Cena, même si bon, je peux l'avoir. Non, c'est possible. John Cena se fait éliminer 3-1. On va mettre Nakamura. Obstacle, je perds. On va mettre AJ Styles. The Phenomenal. AJ Styles. Ça, c'est bon. Ensuite, en puissance. Ouais, on va enlever Finn Balor. Ok, hop. Parfait. 4 à 2. Ensuite, on va vérifier bah, Bray Wyatt. Entre le Rhino, je gagne. Rhino Ultimate. Ensuite, on vérifie. Bah... Ah, tiens, on a vérifié Nashizu Kanakamura. Ouf, de la chance. J'ai eu de la chance. Ensuite, bah, on vérifie bah, Randy Orton. Après, on va mettre Bodas Strong. Allez, vitesse. Charisme, est-ce que j'ai un charisme? Ah non, ah, pas assez. De très très peu. Alors, le score final est de 5, 6 à 5. Très bon match. Très bon match, j'ai bien aimé. Même si j'ai fait quelques heures, c'est pas grave. Alors. Énergie, mallette, d'énergie, vitesse, puissance, Booker T, Titan Kid, Brock Lesnar, Sheamus, Alicia Fox, Nikki Blanchard, énergie, ok. Allez, on va directement faire l'événement RPG solo. C'est parti, les amis. On peut voir, c'est parti. Oh yeah. Fin de l'événement dans 3 jours et 7 heures, forcément. 18 h. Allez, c'est parti. On va acheter des doubles en 2 points. On va en acheter 12, on n'a pas d'autre choix, malheureusement. Attends, on va acheter plus 10, voilà, pour commencer. Allez, c'est parti pour le RPG solo. Alors, bon, comme d'habitude, on va jouer contre des joueurs qui n'ont pas. Qui ont des cas qui sont pas assez forts, tant que charisme. Comment être sûr. En charisme, c'est Enzo Amore. Bien, déjà, c'est meilleur.
Hop, je gagne, parfait. Ensuite, robustesse. Oh, ça, on va être une balle. Allez, hop. Pourquoi je m'embête? Pourquoi je m'embête? Parce qu'il y a un petit kilomètre. Shinzo Kanakamura. Hop, voilà, parfait. Ensuite, on va mettre Roman Reigns à Paul Spear. Hop, Spear. Ok, ensuite, on va mettre. Ah, on va se mettre sur un bord. Si on va mettre Bray Wyatt contre Tim Barrett. Bim. Ensuite, on va mettre Natalya. Et Sacha Banks. On gagne parfait. On gagne forcément. Tac, voilà. Et Becky Lynch, toujours là. Voilà. Ensuite, on va continuer avec Brock Lesnar. Voilà. Size, voilà. Page, yep, Rampage. Touk. Ensuite, Podas. Voilà, Podog. Ensuite, ce masculin. On va mettre Mark Henry. L'acte masculin, on va mettre 17h et Shizuke Nakamura. Et pour finir, on va mettre John Cena Ultime. Voilà, parfait. Une victoire. Allez, 1, 2, 3, 14-0 pour commencer. C'est pas mal, hein? Allez, on continue. Un joli plus 10 pour commencer. Alors, tac. Ok. Ok, alors on continue avec les plus 10. Hop. Hop, speed. Ok, d'accord. Le jeu qu'on voit speed, la vitesse. Qu'est-ce que ça va donner? Bon. Ok, on va mettre Shizuke Nakamura. Ouais, puis on va mettre Nataya. Bim. Avec qui on va mettre John Cena et Bray Wyatt. Voilà. Ok, ça démarre bien. Hop. Ensuite, solo, on va mettre Brock Lesnar. Ensuite, on va mettre Roman Reigns. Ensuite, on va mettre, allez, on va mettre Braun Strowman. Morley et Renzo Tech, voilà. Ensuite, 17h. Hmm.
John Cena. Ok. Page. Vitesse avec Bodas. Voilà. Parfait, easy. Alors, je vais mettre DJ Plugin, c'est Shizuke Nakamura. Ok. Et ben voilà, Randy Orton. Boum. Et pour finir, bah Becky Lynch. J'aimerais bien avoir Becky Lynch en ultime. Ce serait intéressant d'avoir Becky Lynch en ultime. Allez hop, voilà. 14-0, nouvelle fois. Parfait. Quand j'ai plus 10, c'est parfait. Alors, maintenant encore avoir un plus 10 dans les pioches. Non. 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 Oh yes, ma choix titre, parfait. Excellent. Tout ce que je voulais. Alors, tac, cette rince. Ok. Alors, on va continuer à faire le gameplay solo, c'est parti. Hop, et puis 10, il est là, toujours là. Une vitesse, on va être Becky Page. Puissance, on va mettre Randy Orton. RKO. Et puis Wyatt. Kessner et TJ Plockins. Ok, d'accord, SummerSlam. Ok. Voilà. Notre. Ils étaient en marque. Voilà. C'est bon, troisième manche. G-Size et Bodas. Ok, on va mettre Nakamura. Ok, Finn Balor. Nike 16 qui alors Natalia puissance va mettre avec pour l'homme on va mettre Nakamura et Roman Reigns. Voilà, belle victoire, comme d'habitude. 1, 2, 3, victoire en 0. Sans aucune difficulté. Et puis ici, là, et on a Kane, épique. En direction John Cena légendaire. Hop,
encore peur. Oh, parfait. Hop, t'en perds un et t'en prends un. Et voilà, super. Hein, ça fait économiser, hein, voilà. Ça fait économiser. Hop, c'est parti pour plus 10, c'est parti. Hop. Allez, c'est super pratique les doubleurs de points en fait. C'est super pratique. Je me suis en mettre pour une semaine. Voilà. Vitesse pour mettre le chantier. Voilà, bon, plus suite John Cena. Voilà. J'en dis dans les trucs de Natalia. Voilà. On va mettre DJ Perkins. Hop, nous avons les films ballons. Ensuite, on bûcher sur notre page. Hop, Rampage. J'aime bien être Sacha Banks. J'ai pas dit ça à Mark Henry. Voilà, parfait. Bien sûr, je vous ferai une nouvelle vidéo pour les récompenses en Team Battleground. Après, je continuerai à faire le RPG solo. Voilà, tac. Nakamura. Ici, alors. Voilà. Donc, parfaite. 1, 2, 3, victoire. 13-0. Easy, easy. Alors, le plus 10 est toujours là. Ok, alors, tac. Ah, on est fait. Dommage. On fera danser un certain temps avant d'avoir les doubleurs de points. J'espère qu'on va avoir John Cena dans cet épisode. John Cena est légendaire que j'ai dit récemment, mais bon, c'est pas grave. Et moi, je vais avoir un ultime où il est arrivé sur la tombe 3. Ces vitesses vont être Enzo Amore et AJ Styles. Voilà. Ensuite, ça va être Nakamura et Strowman entre Richard et Triple H. Voilà. Thank you.
Ben, si tu me signales. Parfaite, voilà. Hop, 1, 2, 3, victoire. 10-0. C'est parfait. Le plus 10, déjà 15 sur 25. Voilà. Alors, hop, ensuite. Ok. Ok. Alors, je vais juste vérifier c'est combien de temps qu'on va avoir récompense en Team Battleground. Je suis dans 29 minutes. Ok. Je vais faire un dernier accès gratuit et après bah je coupe la vidéo. Je vais en refaire une dans à quoi il y aura la récompense en Team Battleground. Et bah après bah voilà. Ouais bah ouais, il y aura bien sûr je continuerai à faire des vidéos bien entendu enfin tu es enregistré pour mettre en ligne ne m'inquiétez pas alors 15 h bah 17 h ouais 17 h bah bon c'est John Cena ultime. Juste mettre TJ Perkins. Manche. Hop. Voilà. Tac. On espère avoir une superstar féminine dans ma récompense au Team Battleground. Une superstar élite ou ultime. On verra. Parfaite, voilà. 1, 2, 3, victoire. Et on a John Cena, légendaire. Parti maintenant pour le Roman Reigns Survivor. Super rare. Hey,
À ce qui dit pour cette même vidéo sur David de Baby Supercard. Si cette vidéo là vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un max de j'aime, max de commentaires et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à activer la cloche de notification pour recevoir une notification de ma vidéo mise en ligne. Et sur ce, je vous souhaite à tous passer une très bonne journée et à la prochaine. Bien sûr, récompense Team Battleground.